Tell us how things went with Uber. Well, he saw my sex toy. I'm not saying no, I just want you to understand. What are you doing with a sex toy? How did you hide it first for him to see it? Ah, forget about your sex toy stories. I already told you to get yourself a young man who'll take care of you and no one will know. What is a sex toy? It's an artificial penis. What don't you understand? It's just like you're cheating on me. Are you serious? I just bought it because I don't want to cheat on you. I never intended building something serious with you. In fact, with no one else. I'm not interested in getting married. Said already that we were getting married in a year. What does it take to wait for the 1 year? If I can get you, are you leaving me because I'm serious? No, because I don't want a serious relationship. Do you know sometimes I feel jealous of your friends? Why? The way you take care of them, the way you protect them. I think I need someone to love me the way you do with them. It's almost 1.5 million I've given you, and I've not seen the color of your pants. And I am supposed to clap because you don't know the girl who you cheated on me? Beg your pardon? There is something weird about him that disturbs me. You're always like this, always trying to protect us. If it all depended on me, I'd say no. But since she wants to come, I'll do it for her. Mata, what is happening? I'm serious. He cried like a child. I was shocked. Where? I refuse any breakup. Yes, I almost forgot. Go ahead, take your phone. Call and tell him she's pregnant. I told you not to mix things up. This is a different case. Stop arguing. Tu es parti ouvrir tes jambes comme le poulet brisé et porter sa grossesse. Je n'épouserai pas cet Américain avec l'enfant de Claude dans mon ventre. I'm not the one who cheated on you. I'm not the one who left you with kids at home. Exactly. Cedric is a scammer. He has disappeared with all her money. What? Eh? Votre peau est sèche? Vous souffrez de vergétures? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics. Riche en extrait de graines de sésame et en collagène, elle hydrate votre peau en profondeur et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines. Adoptez-la dès aujourd'hui. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Bien. Mademoiselle Nathalie Eyonchouga, le jury, après avoir écouté votre exposé, après avoir échangé avec vous, est parvenu aux conclusions suivantes. Le sujet est pertinent et d'actualité. La candidate maîtrise les concepts opératoires et a effectué une analyse pertinente. Les résultats sont innovants et prometteurs. Cela étant, le jury à l'unanimité vous accorde votre master avec la mention très bien. Ce jour était un grand jour pour moi. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans lui. On l'a fait, on a réussi. Je suis fier de toi. Monsieur Fomo. Elle est encore vieille selon mes sources. Et elle est aussi très brave. Elle se nomme Nathalie Eyonchouga.
âgée de 25 ans, fille de Suga André du village Nkolfo. Oh. Fille de Suga André du village Nkolfo. Oh. Si j'y suis arrivée, c'est grâce à Romaric. Lui et moi, nous nous sommes rencontrés au lycée. Après le bac, nos familles n'avaient pas les moyens pour nous payer les études supérieures. Alors, il m'a proposé un deal. Il allait faire le taxi pour se battre et payer mes études jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme et que je trouve un travail. Une fois que j'aurai un travail, ça serait à moi de l'aider pour qu'il puisse faire sa formation en douane et transit. Ekié, le garçon n'a pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Je me suis dit qu'on aurait quelque chose à célébrer. Sans même savoir si j'ai eu le poste. Tu avais déjà eu le poste avant même de quitter cette maison, chérie. Tu es une étoile. Partout où tu passes, tu brilles. Oh, merci mon chou. C'est toi qui me fais briller. Sans toi, je ne suis rien. Tu commences quand? La semaine prochaine. D'accord. Il va falloir qu'on s'organise par rapport aux tâches dans cette maison. Est-ce qu'on peut éviter de se préoccuper pour demain et profiter de l'instant présent, s'il te plaît? Tu as raison. Demain ne va pas fuir. Bon, installe-toi, je te fais goûter mon magnifique riz sauce d'arachide. Juste une minute, je me change. D'accord. Merci. Bon appétit. Hein. Merci. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce mets. Est-ce que là-bas en ville, vous savez faire ça? Est-ce que c'est un problème de ville? C'est un problème d'éducation. Si une mère a bien appris à sa fille va savoir le préparer, même si elle est en ville. Oui, c'est vrai quand même. Hein? Parce que Nathalie étant en ville, elle sait très bien le faire. Voilà. Parlant de Nathalie, dernièrement, toi et moi, on a commencé une discussion qu'on n'a pas terminée. Eke Angou, tu reviens encore sur cette affaire-là? C'est parce que ça me tient à cœur. Faut me dire que ce n'est qu'elle qu'il veut comme femme. Angou, je t'ai dit que Nathalie est déjà fiancée. Suga, toi aussi. Tu donnes ta fille à un étranger alors qu'il y a des hommes dignes et capables comme font dans ce village? Je suis désolé, Angou. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Nathalie est ce qu'elle est grâce à ce jeune homme qui s'est sacrifié pour payer ses études. Et en plus, les deux s'aiment. Papa Suga, si c'est une question d'argent, je peux rembourser tout ce qu'il a dépensé sur elle. Est-ce que tu as entendu la partie où j'ai dit que les deux s'aiment? Ya, Suga, je me souviens qu'Anastasie, que tu as comme femme aujourd'hui, ce sont tes parents qui te l'ont choisi. C'est toi qui parlais tout à l'heure d'éducation, non? Peu importe ce qu'il y a entre Nathalie et ce garçon, si tu lui donnes un ordre,
elle n'aura d'autre choix que de t'obéir. Je sais que tu as très bien éduqué ta fille. Oui. En effet, ça ne m'intéresse pas de lui donner cet ordre-là. Ma fille est heureuse comme elle est. Et moi, ça me suffit. Ne t'en fais pas. On va te chercher une autre fille. Il y a même la fille de Rufine, elle aussi. Je ne veux pas de choix par défaut. C'est elle que je veux. Mais puisqu'elle aime déjà un autre... Lui, c'est qui? Un pauvre étranger ne peut pas venir dans mon village me dépasser sur une fille. Il ne faut pas mélanger les choses. Étranger ou pas, nous sommes tous Camerounais. Je vais un peu parler à Rufine par rapport à sa fille. Je t'ai dit non, je ne veux pas. C'est Nathalie que je veux. Et je veux la voir. Alors, la journée a été... Pas mal. 17 000. Waouh. Tu as déjà versé la recette et fait le plein de ton carburant. Oui. Mince. Ça veut dire que tu as bossé aujourd'hui, hein? Je pense que même les dieux sont avec nous. Amen. N'oublie pas de prendre ça demain pour mettre dans le compte. Oui, je ne vais pas oublier. Chérie, j'étais en train de réfléchir. Et je me disais qu'on peut peut-être s'offrir un week-end à Kribi. N'oublie pas qu'on n'a pas encore atteint notre objectif. La formation que tu veux faire, c'est plus de 700 000 par an. Mon cœur, depuis près de 6 ans, on vit comme des prisonniers sans se permettre aucun plaisir. Notre premier objectif a été atteint. Je pense qu'on peut souffler un peu. Tu as peut-être raison, mais en même temps, il y a la dot qui arrive dans quelques mois. Oui, je sais. D'accord. En parlant de d'autres, le pata a demandé que je passe le voir en semaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suppose qu'il veut qu'on règle certains détails par rapport à la dot. On y va ensemble. Si tu trouves le temps. Je vais trouver. Ok. Je n'avais jamais rêvé du prince charmant dans ma vie. Je n'avais jamais cru à son existence. Mais à un moment, je me suis dit que s'il existait, il ne serait pas différent de Romaric. À ses côtés, je me sentais en paix, aimée, protégée, respectée, soutenue. En un mot, c'était l'homme de ma vie. Bonne journée, mon cœur. Bonne journée à toi aussi, ma lumière. N'oublie pas de passer prendre les informations par rapport à la formation. Comme ça, on pourra s'organiser de manière concrète. Je m'en vais comme ça là-bas, chef, avant de commencer la journée. Ok, on s'appelle. On s'appelle. Tu sais que Ondoa lui-même n'est pas là. C'est pour cela que je suis venu te voir comme témoin. Oui, mais je ne suis pas parenté à Ondoa, moi. Qu'est-ce que je viens chercher là-dedans? Ouais, Soga. Toi aussi. Les histoires de parenté viennent chercher quoi là-dedans? Est-ce que le témoin a besoin d'être parenté à quelqu'un? Tu sais, les affaires de vente de terrain là, moi je n'aime pas trop être impliqué là-dedans. Oui, mais c'est moi, Lucas, qui te le demande. Sauf si maintenant tu as aussi peur de moi. Ah, et c'est juste qu'on ne sait jamais. Tu sais même quelle sera ta part de commission. La commission? Oui. On a prévu une petite enveloppe pour toi. Qu'est-ce que je raconte? Une grosse enveloppe? Une enveloppe? Ah. 50 000 francs. Seulement pour que je vienne signer que je suis témoin. Tu connais Ondoa.
Quand il veut faire les choses, il les fait bien. Mais qui suis-je pour refuser un 50 000 francs gratuit? Voilà, maintenant tu commences à parler comme un vrai homme. Oui, tu es encore loin, hein? Oui, un peu. Tu as déjà fini? Oui. C'est mieux que tu rentres directement. Je risque de tourner encore un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, tu peux prendre le pain à la boulangerie. J'ai acheté les avocats, je vais faire la purée tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Si tu aimes ce que nous faisons, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Votre peau est sèche? Vous souffrez de vergétures? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics. Riche en extrait de graines de sésame et en collagène, elle hydrate votre peau en profondeur et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines. Adoptez-la dès aujourd'hui. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. La troisième année est l'année de licence face à 900 000. Tu vois ce que je disais? On va encore devoir serrer la ceinture ici pendant un moment. Mais sinon, ils ont les accords avec le port. Les meilleurs sont directement recrutés là-bas. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu seras parmi les meilleurs. Ça fait 6 ans que j'ai laissé les bancs, hein. Il faut un temps d'adaptation. En plus, avec le taxi... Quel taxi? Non, tu penses que tu vas conduire le taxi et aller à l'école en même temps? Ben oui. Non, c'est hors de question. Oh chérie, s'il te plaît. J'ai dit hors de question. Le deal était que quand je commence à travailler, toi tu arrêtes pour te concentrer sur ta formation. Oui, mais je peux gérer les deux en même temps. Ce n'est même pas négociable, Tatia. Je travaille, donc je vais m'occuper des charges. Toi tu vas te concentrer seulement sur tes études. D'accord, chef. C'est vous qui décidez. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler chef. Mais tu es mon chef, non? Non. Je suis ta lumière. Et tu dis que la formation là c'est pour combien de temps? 3 ans, papa. Il faut juste te concentrer. D'ailleurs, tu es un garçon intelligent. C'est juste le fait d'aller m'asseoir avec les enfants là-bas qui me fait un genre. Quand tu sais ce que tu cherches dans la vie, tu te fous de ce que pensent les gens. C'est vrai, papa, mais c'est pas évident. Papa, tu disais que tu avais quelque chose de très important à me dire. Ah oui. Nathalie! Oui, papa. Viens, ma fille. Ce que je veux dire là te concerne. Je voudrais savoir si on ne peut pas organiser la dot et le mariage à la fois. Quoi? Il y a un souci, papa. Nous, on n'a pas prévu d'organiser le mariage tout de suite. Je sais. C'est pour ça que je demande si ce n'est pas possible. Avec la formation et tout, ce sera un peu compliqué, papa. En effet, il y a le fils d'Angou qui n'arrête pas de me casser les pieds. Qui, Fomo? Oui. Il était encore ici l'autre jour pour me dire qu'il veut t'épouser. Je lui ai déjà dit fatigué que tu es la femme de quelqu'un. Mais il refuse de comprendre. Donc tu voudrais qu'on se marie vite pour lui arracher tout espoir? Exactement. Donc à cause de lui, nous on doit changer tous nos plans? Je ne dis pas de changer, juste d'ajuster. On aurait pu signer juste les papiers pour organiser le mariage après. Mais ça ne nous aiderait pas. Puisque l'idée, c'est de faire quelque chose pour que tout le monde comprenne. Effectivement. Mais si on fait déjà la dot, ça va suffire. Il verra qu'il n'y a plus de chance. Vous parlez là comme si je vous ai dit que je peux un jour me marier avec lui. Ce n'est même pas envisageable. On sait, Nata. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il cesse d'embêter le pater. Voilà. Ok. Dans ce cas, la dot devrait suffire. Faisons déjà ça et on verra. Mmh.
Garde-moi de l'eau, s'il te plaît. C'est quoi? Tu as l'air ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Je me disais que ton père n'a peut-être pas tort. On peut signer l'acte maintenant et célébrer le mariage plus tard. Tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur. C'est juste que c'est ce qu'on veut tous les deux, alors pourquoi attendre? Tu sais très bien que ce n'est pas par rapport à ce que mon père a dit. Justement, ça ne change rien au fond. Chérie, on s'est dit jusqu'au mariage. Et on se marie dans un an. Tu ne vas pas venir tout gâcher maintenant. Ce n'est pas facile pour moi, Nathalie. Je sais. Pour moi non plus. Mais on y est presque. Juste un à tenir encore. Je ne vois pas ce que ça changerait qu'on signe l'acte maintenant. Dans l'accord qu'on avait passé Romaric et moi, on s'était mis d'accord qu'on aura des rapports sexuels qu'après notre mariage. Je savais que tout cela n'était pas évident, mais il avait supporté jusque-là. On ne pouvait pas laisser tout tomber en moins d'un an. Il est sorti le matin pour aller au 2-0, mais ça se voyait clairement qu'il boudait. C'est normal. Il a aussi beaucoup supporté, il faut le comprendre. Je sais. Moi-même, tu penses que je n'ai pas envie. Dans ce cas, pourquoi tu refuses? Ça faisait partie de nos objectifs et on doit respecter ça aussi. Tu sais que techniquement, aux yeux de la loi, vous êtes mariés, non? Ce n'est pas la même chose. Tu crois? Honnêtement, ma chérie, je pense que tu peux lui accorder ça. Ce gars est une bénédiction pour toi, tu ne t'en rends pas compte. Et puis, je doute fort qu'il y ait un gars ici qui pourrait tenir comme lui. Enfin, s'il tient vraiment, hein? S'il tient vraiment, comment? Ma chérie, je ne doute pas un seul instant de l'amour que ce gars a pour toi. Mais c'est un homme. Ce n'est pas comme nous. À un moment, ce n'est plus une envie. Ça devient une nécessité pour eux de le faire. Tu viens de le dire, il est différent. Pas avec ça, ma chérie. Ils sont tous pareils à ce niveau. Je parie qu'ils se soulagent quelque part. Non, c'est impossible. Moi, je t'ai dit non. Pardon, laisse l'autre là, je connais mon homme. Parlons d'autre chose. Je veux savoir. Tu le gères parfois moi avec la main ou la bouche, non? Non, il n'y a pas de sexe entre nous. Et tu dis que quoi, Nathalie? Pardon, ce gars se soulage quelque part. Est-ce qu'on peut parler? De quoi? De la gueule que tu fais depuis hier soir. Quelle gueule? Chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que c'est compliqué, mais on est plus fort que ça. Je ne fais la compétition avec personne. C'est vrai, mais tu comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais je n'ai rien à prouver à personne. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit. C'est une promesse qu'on s'est faite. C'est vrai, mais c'est entre toi et moi. Donc on peut y apporter un avenant. Qu'est-ce que tu fais? J'apporte un avenant à notre contrat. Donc, il faudra que votre compte atteigne ce seuil avant, afin que la banque puisse vous accorder un crédit. Donc, il n'y a pas moyen de faire autrement? J'ai bien peur que non. D'accord. Merci. Je vous en prie, madame. Bonjour, mademoiselle Léon. C'est madame Tatia. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais déjà mariée.
Que puis-je faire pour vous, monsieur Faumont? Alors, tu n'as pas besoin de m'en vouvoyer. Si, nous sommes ici à mon lieu de service. Très bien. Je voudrais ouvrir un nouveau compte. C'est pas moi qui gère les ouvertures de compte. Vous allez repartir à la réception, ils vont vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin. Mais pourquoi tu te comportes comme si toi et moi avions un problème? Je ne vois pas de quoi vous parlez. De ça, cette attitude que tu as en ce moment. Monsieur Faumont, si vous avez besoin d'autre chose, je serai ravie de vous aider. Autrement, je vous prierai de m'excuser, il y a d'autres personnes qui attendent. Je te permets de me mépriser à cause d'un petit clébard. Je vous en prie, monsieur Faumont, vous n'avez pas besoin d'être vulgaire. Je suis très ami avec le directeur de cette banque. Si tu t'amuses, je te fais renvoyer. Je vous prie de bien vouloir libérer mon bureau. Il a le cœur, hein, jusqu'à il vient lui loin dans mon bureau. Tu vois donc que ton père avait raison quand il demandait qu'on précipite les choses. Je n'ai pas peur de lui, Romaric. Il peut aboyer autant qu'il veut, ça ne va rien changer. Tu dis qu'il travaille où? Au port, où il est directeur de quoi là-bas, où je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je lui rende une petite visite de courtoisie pour lui remettre les idées en place. Pardon, ne pas créer les problèmes où il n'y en a pas. Il faut qu'on lui fasse comprendre qu'on n'a pas peur de lui. Oui, mais évite de chercher la confrontation, ça risque d'aggraver la situation. Romaric. Quoi? Je te connais. Quand je te tais comme ça, c'est que tu as déjà ton idée dans la tête. Et qui est? Quelle idée? Tu as parlé, j'ai compris. Je suis sérieuse, ne pars pas le provoquer. Ouais, j'ai compris, non, chef. Arrête ça, hein. Au fait, demain je ne fais pas le taxi. Hein. Tu vas conduire mon masseau. Hein? Oui, son chauffeur a eu un souci et il veut que je le remplace pour quelques jours. D'accord, je vais m'arranger pour sortir tôt. Ah, mademoiselle Eyon, asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai reçu la visite de monsieur Faumont hier. Et se plaignait de ce que vous l'avez mal reçu. Vous l'avez chassé de votre bureau comme un malpropre. Excusez-moi, monsieur le directeur. Il m'a dit qu'il voulait ouvrir un compte. Je lui ai dit que je ne suis pas la bonne personne. C'est tout. Donc, vous ne lui avez pas demandé de sortir de votre bureau? Si, je l'ai fait. Parce qu'il a commencé à m'attaquer personnellement. Mademoiselle Eyon, vous devez comprendre qu'il y a des clients avec qui vous ne pouvez pas vous permettre un certain nombre de choses. Donc je vais laisser un homme m'insulter et me piétiner parce que c'est un gros client. Signé Blaise Options, la pièce unique.